Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, haul, ce n'est pas un haul fringue mais plutôt un haul beauté. Alors récemment j'ai découvert le nouveau site, ça je sais pas où il est nouveau, je viens de le découvrir et c'est le site Calista. C'est un site en fait marocain, donc une boutique sur Casa en fait qui vend une panoplie de marques, style je sais pas moi, Eco Tools, Beast, Makeup Revolution, Physician Formula, Ant Janky, vraiment toutes les marques que vous trouvez chez eux. Et Anna, grande amoureuse de shopping et grande amoureuse de make-up et de soins, je me suis dit alléluia, enfin un site qui peut nous aider une commande ou Anna Galsafda, parce que honnêtement je n'ai plus le temps ni le khatr, surtout fat sahd hada li bqa yخرج ou يدور في magasin. Je préfère faire mon shopping quand je suis chez moi et comme ça, les quêtes je fais parce que derrière la clim. Mais voilà, donc j'ai fait mes petits achats, j'ai déniché de très bons trucs. Je pense vraiment que ça va vous plaire. D'ailleurs, hop, j'ai du soin, du make-up, brushes, des trucs pour les cheveux, et vraiment de tout. Est-ce que vous êtes prêts pour cet unboxing? Ou là plutôt ce haul, parce que ce n'est pas un unboxing, c'est un haul. Donc est-ce que vous êtes prêts pour ce haul? Regardez-moi comme des trucs les mais elle m'a testé. Quand la vidéo, quand des trucs les je n'ai pas pu résister pour les tester. J'espère que la vidéo t'a plu. Et là je vais te comme maintenant ça, je serai les liens, les likes d'alcom. Ou ça le compte canal si la haul m'a rappelé pour la vidéo d'aujourd'hui ou mais elle m'a cherché je fais. Donc voilà, on passe au haul. Donc en fait je pense que vous allez le reconnaître, c'est un set de pinceaux mais de Moda Brushes. De toutes les manières je vais vous laisser les liens des produits d'Erdit en barre d'infos ainsi que le site. Je vais aussi essayer de négocier pour vous un petit code promo, comme quoi on est rendu avec une petite vidéo, est-ce que je peux avoir un petit code promo pour ma communauté, ça leur fera très plaisir. Donc voilà, Hada, c'est un set qui m'a cliqué comme ça. Moda Brushes, j'ai fait des pinceaux. Donc, ils ont des pinceaux de toutes sortes. Il n'y a pas tout, mais ok, ma cache fouché d'une des astuces parce que je les ai adorés, la vérité. Ce sont de très très beaux pinceaux de haute qualité. Ce n'est pas du Real Techniques pour être honnête et sincère. Voilà qu'ils sont assez moins chers. Donc, Anna, je préfère prendre 2-3 sets de sa Moda Brushes parce qu'ils sont hyper bien, ils sont hyper doux, ils appliquent très bien la matière, vraiment zouine bzaf à la ananine rsa, je viens de le double, presque le triple des fois, dia la somf un Real Techniques, en étant honnête et sincère, qui prend Real Techniques pour moi les meilleurs pinceaux qui soient. Après, ça peut être un dupe et ils sont géniaux, ils sont un peu moins chers. Donc voilà, si vous recherchez des pinceaux, Calista a Moda Brushes, et donc plein de marques. Et donc les pinceaux de Abyss, et donc Real Techniques, et donc Eco Tools, et donc vraiment de tous les budgets. Ou gal, est-ce que le NOA vraiment un très large choix de produits, on a chill et j'ai mis. J'ai pris ça. Alors j'ai pris deux gammes capillaires. J'ai pris celle-ci, de la Hair Tamine, la Biotine. J'ai pris aussi la gamme de la... Je sais pas si vous connaissez la marque Now, c'est un truc naturel et tout que j'avais sarha hâte de tester. Donc j'ai dit ça d'eau, le shampoing et l'après-shampoing Melantertamine de la gamme Biotine. C'est des shampoings et après-shampoings que j'avais déjà testé auparavant, parce que c'est en France, quand c'est Amel Home, que le cage bonnet, du coup je les ai recommandés. Tamandil Hada il coûte 240 dirhams, Hada 240. Donc voilà, ou Hado Rahouma, les j'utilise d'abord parce que j'aime énormément, surtout que vu que des Ratanino Hado Mefum sulfate, c'est top. Ou qui s'ado à la trouillette char ou les faire pousser et tout, ça peut être un excellent complément. Il a 14 d'eau aussi, les compléments alimentaires, c'est Hair Tamine. Après, j'ai pris un produit de chez Palmer's. Alors, la marque Palmer's, c'est une marque que je fais sur Instagram. Ou les smash, elle est là. Ok, c'est une bonne marque. Du coup, là, j'ai pris un petit produit pour tester. J'ai pris là, c'est un leave-in conditioner. Je vais ça d'abord tout simplement parce que je vais aller à la plage dans pas longtemps. Elle oui. Ou, qui je venais en fait, il y a des leave-in, l'indien après, je vais me douche. Qui a surtout qu'on a les cheveux un peu sensibilisés, le matel bhar ou le chum et tout. Donc, là, c'est top. Vous vaporisez ou qui est vraiment un effet zouine à la char. Il ne le cartonne pas du tout. Il ne cartonne pas les cheveux, il les hydrate à fond. Il a un comme les cheveux femmes Hali, mais ce que tu touches maintenant parce que c'est un leave-in. Donc, c'est quelque chose de costaud. Femme, il va rendre vos cheveux poisseux. Mais sinon, si vous avez les cheveux bouclés, les cheveux épais, c'est top. Après, je suis maintenant toujours dans les soins.
J'ai trouvé la marque OZ Naturals. Écoute, chouvou, c'est la marque que tu as jubilé. Ou chal, me dis ma kangou, je vais tester. Ou à chaque fois que je suis chez les Hamlenchi, ou à chaque fois que je suis chez les 3 semaines, ou un mois de la livraison, on a la vérité qu'elle est gaze. Tu as dit bonakas. Ou, quand tu as même Kalista, Kalista il livre sur 24 à 48 heures, ce qui est top, la vérité. Donc, Kalista a dit le fameux sérum à la vitamine C pour donner de l'éclat, enlever les taches, donner de la brillance au teint, avec chi. Je l'utilise depuis 2 semaines, on va dire, il est top. Mendem chéli, la vérité, mendem chéli, qui j'ai pas la quand. Voilà, il y a un autre taito, mais je dis comme le haul, mais il est top, il est vraiment top. Ou je dis avec le masque, elle a le masque et mazal, ça j'ai pas encore testé, donc je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. Donc là c'est le masque à la vitamine C plus C. Donc il y a vitamine C, vitamine B5, acide hyaluronique, spiruline et quelque chose d'autre que je ne sais pas. Donc voilà, ça se met fait de bons avis, la vérité. Je n'ai pas encore testé, donc inchallah dès que je teste, je vous en redonne des nouvelles Instagram. Palette. Alors, comme ça, il faut que je fasse un truc de Kalista. J'ai dit que je vais faire un truc en bas de papier bulle, comme ça, mais je suis une palette, un highlighter, un bronzer, un n'importe quoi. Je suis une merde. Donc, c'est une palette, la palette Bloom de chez Biss. Je vais vous en dire. Tada! La palette Bloom de chez Biss Cosmetics, qui est une palette juste trop belle. Salha, elle m'a trop donné envie le jour où je l'ai vue. C'est une palette qui est. C'est l'indispensable, la vérité. Les couleurs d'Elha, Zwinin, on a toujours besoin d'une palette Palaka ou Khanaï. Je sais combien j'en ai des palettes comme ça. Walakin, ça sauve la vie. C'est une palette que vous pouvez ramener avec vous en vacances. C'est une palette qui peut servir pour tous les jours, comme pour les soirées un peu chargées. Hadi et les jours, il y a la vérité, j'ai pas encore testé la pigmentation, etc. Mais j'ai déjà testé Saraha des palettes de chez Biss. Mais les Hakuk les Anna et Testet, elles sont bien. La vérité, après, je ne les ai pas tout testées. Donc, tu vas te faire chier Hida ou Nkuna n'a pas testé ça, ou le Kawa Khaiba. La vérité, je ne sais pas. Mais j'en ai testé, j'ai testé la Peach, la Berries. Moi, j'en ai testé des palettes Biss. Et la vérité, j'ai jamais été déçue. Donc, Hadi, hâte de la tester. Inch'Allah, Ndili Kumbiha, un tuto sur Instagram. Une autre gamme capillaire, on va dire la gamme capillaire, les Glicum Dian Now. Donc, c'est une gamme capillaire au citron. Donc, shampoo and conditioner. Voilà, Glic for Dry Limp Hair, SLS et Paraben Free. Donc il ne me fait ni paraben ni sodium lauryl sulfate. Et voilà, tu as dit hâte de la tester. Inch'Allah, je la teste. On voulait comme qui va se jeter. Après, alors, Hada, j'adore la gamme de chez Makeup Revolution, de chez iHeart Makeup plutôt, la gamme des mômes. J'adore. Indie highlighter et il fallait que je prenne le blush. C'était obligé. Donc Hada, c'est un genre de blush highlighter que je vais emmener Inch'Allah en vacances. Haga, quand on est bronzé, elle était vraiment avec l'effet hyper magnifique. Donc voilà, Hada, il est canon. J'aime beaucoup, je l'ai déjà swatché, tout ce que vous voulez. Pépite. Ok, je me dis, Hada, ma carte, je l'ai vraiment la collection Colony Camlin parce que je les adore. Je les adore vraiment, ils sont pigmentés, zwinin bzaf, ils se travaillent bien, très rapidement, zwinin. Bon, mais après, le rouge à lèvres, il y en a des fumées d'abord, c'est un golden rose et c'est le numéro 17, c'est un mat. Magnifique, zwinin bzaf, on a que ça, fumée golden rose, j'aime énormément. C'est le mat, c'est pas le soft mat, il tient bien. Wally Kandirat Liamat, comme vous l'avez comme sur Instagram. Mais sinon, c'est très bien la même couleur, mais dans une autre catégorie, le Luxe Lips. C'est une nouveauté, mais une Biss Cosmetics. J'ai très bien, c'est la même couleur, c'est un genre de pêche. Voilà. C'est un rouge à lèvres mat, hyper crémeux. Je l'ai swatché sur mes lèvres d'Akenhal. La couleur Zwina. Il est très crémeux, donc il n'assèche pas du tout les lèvres. Blex, il l'hydrate. Flatteneux, ça ne va pas tenir un liquide mat, ça c'est sûr, mais il tient quand même bien. Ou voilà. Ça sera bonne découverte avec les Luxe Lips de chez Biss. Ils sont bien. Après. Okay. Toujours de chez Biss. Aftiani, c'est un highlighter et c'est la nouveauté, c'est le Diamond Highlighter. Ciao, on est là. Et du coup, c'est un highlighter. Alors, j'avais hâte de le tester. Parce que ce matin, il a beaucoup. Ah, mais je l'ai touché complètement. Ce matin, il a beaucoup de choses. Et la vérité, c'est tout pour le corps. C'est un highlighter pour le corps et qu'on prend pour les shootings et tout. Mais sinon, qui benzouine, on va le swatcher ensemble. Oh! Il est canon. Je sais pas ce qu'il belle comme. Ou est-ce qu'il belle comme. Ah, je vais le dire là. Parce que
ديك البلاصه فين السوات شيت ماشي هي هذيك. ها انتم شوفوا سي مانيفيك سي كانو. لا لا هذا ما غاديش نخسروا وقيله بور لو كور نبقى نديرو سيغ مون فيزاج باسكو لي كانو لا فيريتي. مي كي بيغمونتاسيون سي ترو بو. J'ai pris deux petites palettes de chez I Heart Makeup. Je dis la toute première qui est la Choc Mint. Nit ma qui se verra que le look que tu fais d'abord. Qui se présente à quand. Et what? Marché de Swift, le plus joli phare de la palette. Au calme. Bon. C'est pas grave, mais voilà, il dit la palette. Qui fait ce qu'elle dit. Faites les jolies couleurs, elle est magnifique. Très sympathique pour l'été. Et j'ai aussi pris une autre. En vacances. Parce que tu m'as cliqué comme le vlog. J'ai envie de voyager léger. Donc, Radindi, des petites palettes au bord. Ok, Lia. Radindi, elle est trop belle. Du coup, voilà, elle dit comment elle se présente. Et les cames. Les couleurs sont trop belles. Il y a du pêche, du marron. C'est très beau. Enfin, deux highlighters. C'est calme. Donc voilà, Hado. Ou Makeup Revolution, blamanada. Parce que vraiment, les palettes, elles sont excellentes. Regarde les palettes qu'elle a testées sur Scrub and Camline. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. La pigmentation Hadra, la vérité. J'ai été déçue par une seule. Il y a la Jewels. C'était la collection Jewels. Mais sinon, canon, canon, ça coûte pas cher. La pigmentation, ouais, là, je vais aller chercher de ce même. Je vais comme ça, quand même, après, il le faire. Makeup Revolution en français, il est comme vraiment modèle, comme comme mes favoris, mais sinon, alhamdoulilah, mettre le sèche. Donc, clique on les palettes de chez Makeup Revolution, elles sont top. On redit deux autres trucs de chez Makeup Revolution. Credit Hado, j'ai pris mon concealer préféré du moment et mon fond de teint. Regarde, je me suis loupée la teinte du fond de teint. Alors, vu que Hassan me chauffe, parce que tu me chauffes, on a tous du mal à retrouver une teinte de fond de teint et Radit Jean. Donc là, je vais débronzer Radin Dir. Donc, Credit la teinte F7, malheureusement, car c'est un F11 d'abord. Vu la teinte qu'il dit d'abord. Mais sinon aussi le concealer. Ou le concealer il va à merveille. C'est exactement la teinte qu'il me fallait. Et c'est la teinte C5. Ou là c'est le super size. C'est extraire. Ou c'est toujours le même embout. J'ai un embout mousse. J'aime beaucoup. On voit comme les embouts. Quand tu m'achètes l'embout. Je peux dire le shape tape. Et c'est le même embout pour le fond de teint. On a chillé. Je me dis fait le fond de teint. T'es jubilé. La vérité t'es jubilé. Quand tu m'achètes l'embout. J'adore. Ah elle a un autre... Un autre golden rose, un autre rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce que c'est un rose, oh il est trop beau. C'est un rose hyper pâle, malheureusement je vais le débronzer parce que ma régine est bête. Mais la couleur est juste magnifique, c'est un candy pink on va dire. Trop sympa, c'est la couleur 01. Très sympa. Et les fameux eyeliner pailletés. Hado, quand tu vois que je suis allé à la maison, je suis comme un virgin. Il n'y a pas chez un revendeur. Il n'y a pas du coup, j'aimerais être Calista. Merci Calista de te dire les petits trucs. Donc voilà, je voulais des eyeliners pailletés pour donc, les looks et tout. Voilà, j'en ai pris un doré et un argenté. De chez Aunt Jackie, ou là, oui, c'est ça, Aunt Jackie's Curl Curl. J'ai pris le Deep Conditioner, ou en fait, là, c'est un Leave-In Conditioner, on va dire. C'est une crème intensive qui va venir hydrater vos cheveux. Elle est à la noix de coco. Ma cousine, elle a testé, elle a adoré. Ma cousine, c'est une curly girl. Vraiment, donc les girls, les crinières de lionne avec de belles boucles dessinées comme ça. Des cheveux magnifiques. Donc elle a testé ça, elle a adoré. Donc voilà, c'est vraiment une prophétie. Vu qu'elle a adoré, je pense que les filles avec les cheveux bouclés vont aimer. Anasarha, je l'ai pris pour mes looks d'été. Vu qu'elle est avec le wet hair, où j'aime beaucoup être le genre de crème pour définir un peu donc les petites ondulations. Elle a pris le gel et l'huile. Donc voilà, elle a top. Ou en plus de ça, quand vous l'utilisez, vu que c'est un truc naturel, Aunt Jackie's Rahamarofa, mais qu'il n'utilise ni silicone ni rien du tout, ça fait un soin intensif pour vos cheveux. Mais après, ma prenne la voile. Alors, Physician Formula, les gars. Physician Formula. Je vais être la marque, je voulais la tester, mais en France, je ne la trouvais pas.
où je l'ai trouvé et qu'elle est dans le Maghreb. C'est incroyable. Donc j'ai pris l'endom deux petits trucs et d'abord tester vu que je n'ai jamais testé chez Jam l'endom. C'est la palette Hadi de bronzer. En fait c'est une palette avec c'est des bronzers différents entre le froid et le chaud et avec un peu d'irisé doré. Que pour l'été, je pense que vraiment aurait été un magnifique rendu. Donc à tester. Et Hadi aussi le blush. Les tawaf et les irisés dorés. Les tawaf sera qui benzoué. Alors. L'avant-dernier produit, j'ai repris mon Brocolor, le mascara pour les sourcils, les Kendir Jim, Madial Golden Rose, Dialisala. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour le recommander. Du coup, voilà, là, je l'ai pris à ce moment-là en teinte numéro 4. Je jongle entre la teinte 4 et la teinte 5. Mais sinon il est beau. Vous savez que Mazi, je viens de dire les sourcils parce que ça me donne un regard trop ferme et trop... parce que nous dit une belle méchante. Je viens de dire les sourcils, c'est incroyable. Mais que oui, que nous dit une belle méchante. Donc qu'on devrait vraiment me brosser, on devrait un truc léger qui va les colorer un peu, qui va les fixer. Mais je n'aime pas les tracés. À part, bien sûr, je viens de dire des looks précis, très chargés et tout. Dit que c'est ah oui, qu'un très bon. Mais à cap des looks naturels, ou des looks juste pour le fun, pour moi, là, je ne les fais pas. Donc voilà, Hada. Et pour tester, j'ai pris. Tada! J'ai eu une excellente. Une excellente expérience avec le fixateur You Better Work d'Elle Essence. C'est d'ailleurs 55 ou 55. Excellente expérience. Et je me dis bzef. Vraiment, je me dis bzef avec le fixateur. Et vu que d'abord j'ai des problèmes de brillance ce matin, la vérité, que vu que je passe toutes mes journées dehors pour le travail, que tu vois, notre chef la journée, verdict. Comme ça mon visage il luit, mais vraiment vous pouvez me voir à 100 000 km. C'est quelque chose pour matifier. Du coup Google, tu veux que quand j'ai eu une belle expérience mais avec gel essence l'oulani, là je me suis dit que gel essence mais cette fois fini mat. Donc il suffit de le pchiter sur le visage, puis là il sera comme du zoyut ou il comme le teint mat. À tester, je vous en redirai des nouvelles sur Instagram. Mais Saraha, je me dis que ça va bien marcher parce que qui m'a cliqué comme on a essence, la vérité j'ai adoré la marque. C'est une marque qui est pas chère et je vais être bizarre pour elle, j'ai hâte de le tester. Salina. C'est notre vidéo, j'espère que vous avez connaissé beaucoup. Gagnez les produits, que ce soit testé ou pas testé, je vais vous donner des vidéos inchallah sur Instagram. Dès que c'est important, tu peux venir sur Instagram Jelly Hawaii, ça fait juste là. Juste là, quand il y a comme des vidéos IGTV, des vidéos avec des tutos, c'est ma spécialité, j'adore ça. Je vous montre aussi des looks, comme des idées de tenue, quand partager avec mon quotidien, que ce soit Anna ou là avec mon mari, fais ce qui coule maïa. Normalement, puisque tu vois de la vidéo, me dira maïa. Et voilà, j'espère être la vidéo ce que je vais être comme. Vous le lire en commentaire, moi j'ai déjà testé sur le site Calista, j'ai déjà mis un tome en magasin sur Casablanca. Moi je voudrais vous tester à Kaya d'autres marques, les Kenin et Domoma sur le site. Inch'Allah, si je réussis à avoir un code promo, je vous le mettrai de ma clé juste en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Gros bisous, bye!